Salut à tous, elle est née en 1968. Elle a commencé la danse traditionnelle depuis sa plus tendre enfance. Aujourd'hui, elle est une artiste primée avec 3 albums à son actif et une compagnie de danse. C'est avec joie que nous recevons pour vous Kinimo Yamounik, dit la reine du Moronou.
Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va bien. Ok. Alors dites-nous, qui est Kirimoya Monique? Kirimoya Monique, ça c'est mon nom d'artiste. C'est votre nom à l'état civil? Oui, c'est Est-ce que vous êtes mariée? Vous avez des enfants? Dites-nous un peu. Non, ça c'est ma vie privée. Mais non, j'ai des enfants. J'ai des enfants. Mais vous avez des enfants? Oui. D'accord. Vous faites appeler la reine du Moroni. Dites-nous pourquoi. Parce que je suis une reine. Parce que chez nous, chez moi, au village, on a notre chaise royale. C'est pourquoi on m'appelle la reine du Moroni. Ça veut dire que ce n'est pas un nom d'emprunt. Non, vraiment... non. Vous êtes vraiment une reine votre région. Voilà. Ok. Et déjà, toute petite, vous apprenez la danse aux enfants, la danse à Baudin aux enfants. Vous-même, vous êtes déjà petite, vous êtes déjà une enfant, et vous apprenez la danse aux enfants. Oui. Comment ça se passe? Bon, puisque moi-même, j'aime la danse. Depuis mon enfance, quand on va au champ, moi et ma maman, et je commence à chanter, et la vieille me dit, tais-toi, les genoux vont te prendre pour partir. Hein. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter jusqu'à, bon, maintenant quand j'ai eu vers 12 ans, et puis j'ai commencé à créer la danse. Et j'ai fait d'abord à Koukoubé. À Koukoubé, là, ça sort dans la Baudin aussi. Il y a Koukoubé, et puis on a fait à Koukoubé, et puis on a fait la Baudin. Après à Baudin, on a fait la Noisette de chez nous. C'est après à Noisette, je suis rentrée sur Abidjan pour... l'album, mon premier album. Votre premier album. Et à force de danser, on va revenir au premier album, mais à force de danser, vous avez été élue meilleure artiste au concours de danse à Baudin. C'est sorti en 2002. Ça, c'est Koyoba. Ça, c'est le premier album. D'accord. Et puis, deuxième album, c'est ça, on appelle Sran. Sran est sorti en 2011. D'accord. Donc, parlons de Koyoba. Oh, ça, en 2011, il y a eu Prime. Ah, d'accord. Donc, parlons de Koyoba d'abord. Qu'est-ce que vous dites dans Koyoba? Koyoba, c'est les chiens qui sont en brousse, qui ont... quand il y a le désert, et puis tout est brûlé. Ils sont dans le désert et ils cherchent à s'accrocher à quelque chose. Puisque tout a brûlé, ils demandent aide. Ah, d'accord. Et quel est le message que vous voulez faire passer? C'est pour dire aux gens que tous ceux qui veulent aider les gens, ils n'ont qu'à les aider. Ceux qui sont pauvres, ceux qui ont perdu les parents, ceux qui n'ont pas de mère et de père, des orphelins, tout ça là, c'est leur chanson. Ça donne, ça, c'est pour donner conseil à ceux qui n'aiment pas, qui aiment faire à tout seul, sans partager. C'est pour dire aux gens de partager, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. D'accord. Et vous sortez votre deuxième album avec lequel vous avez été primé, Sran. D'accord. Sera veut dire c'est l'homme qui fait l'homme. D'accord. Aujourd'hui, c'est toi. Je suis avec toi. Tu es en train de me présenter. C'est toujours dans le même message, dans la même c'est idée. C'est le même message. Voilà. Ça dit que c'est l'homme qui fait l'homme dans la vie. Si toi, tu es là, tu n'as rien. Et puis, ton ami vient. Il dit, bon, par exemple, tiens 10 000 francs. Débrouille-toi. Et puis, tu prends pour cirer la chaussure. Demain, après demain, tu peux payer balle de yougou-yougou, puis tu peux venir vendre. C'est pourquoi je dis, sans l'homme, tu ne suis rien. Sans l'homme, tu n'es rien. Sans l'homme, je ne peux rien faire.
Parce que l'argent ne peut pas soulever quelqu'un quand on est malade. Mais si ton ami, l'homme, arrive tout de suite, là, il peut te déplacer. Mm-hmm. C'est pourquoi je dis c'est l'homme qui fait l'homme. D'accord. Mais on a l'impression que vous avez vécu des expériences particulières pour avoir ce genre de message à porter. Bon, non. Il n'y a pas d'expérience que vous avez vécue. Non, non. Parce que le troisième album, justement, il s'intitule Nyamien. Mm-hmm. Voilà. Après avoir dit c'est l'homme qui fait l'homme doit soutenir l'homme, et puis vous sortez Nyamien. Oui. Voilà. Nyamien, ça veut dire que je remercie Dieu de m'avoir créé, de m'avoir béni. Là, je chante pour moi-même. Parce que je dis à Dieu, merci Seigneur, parce que regarde comment tu m'as béni, tu m'as donné la voix, le souffle de vie, tout ça là, c'est toi tu m'as donné. Donc je te dis merci, parce que tu m'as tout donné. Et j'aime la danse, j'ai créé encore. Tout à fait, justement, après, hormis ces trois albums, vous avez une compagnie de danse. Oui. Alors on va parler un peu de cette compagnie de danse là. Tu vois pourquoi je dis, Nyamien Mendawase, Dieu je te remercie. Parce que après l'album, premier album, après troisième album, et j'ai créé compagnie Kinimo. Mm-hmm. Et comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait la création de cette compagnie? La compagnie vient de toujours dans la Bodan. Tu sais que c'est moi, c'est mon point fort là, c'est dans la Bodan. Voilà, vous savez déjà. Et puis que c'est de chez moi, ça sort de chez moi. Originaire de Mouni. Donc, c'est la Bodan, ça vient de la Bodan, mais j'enseigne tout. Mm-hmm. Oh, mais la Bodan, vous enseignez d'autres comment? Oui, il y a le thématé, le gbegbe, il y a beaucoup de danses, la josse, il y a kreba de chenou. Ok. On n'a pas l'occasion de voir toutes ces danses-là. Oui, il y a beaucoup de danses. Ok. D'accord. Mais dites-nous un peu, depuis quand a été créée cette compagnie de danse-là? C'est vrai que depuis toute petite, on sait que dans le secret, vous avez rêvé de créer une compagnie de danse propre à vous. Mais... depuis quand exactement cette compagnie existe? J'ai commencé tout depuis en 2008 jusqu'à je suis venue en 2011 pour installer ça. Abidjan. D'accord. Et combien de chorégraphies vous avez, combien de ballets vous avez réussi à mettre sur pied? On a beaucoup de ballets. Hein? Avec les différentes danses que vous avez citées. Oui, là. On a beaucoup de ballets parce que là, on ne peut pas tout montrer. Sinon, si je vais tout montrer aujourd'hui, là, on va rester là. Okay. Il y a beaucoup de ballets. Parce que, compagnie Kinimo, là, on danse tout. On danse à Boudin. On peut danser bébé, thématé. Même il y a danse qu'on appelle danse max. Danse max qu'on appelle gras. Chez les OB? C'est les OB. Bien sûr, partout. Chez les Atiens même, je suis là-bas. Okay. Donc j'ai fait tout. Ça veut dire que quand tu vois là, ce n'est pas compagnie simplement. Hein. C'est l'école. C'est une école de danse. C'est une école de danse. J'enseigne tout. Parce que tu ne peux pas finir de faire album, trois albums, et puis tu vas t'asseoir comme ça. J'enseigne. Ce que un peu que je connais, j'enseigne. Thank you.
très belle prestation que celle de la compagnie Kinimo, n'est-ce pas? Oui. Voilà, fin d'émission. Qu'est-ce que vous voulez que la diaspora retienne de vous? Vraiment, ce que je veux actuellement, là. Vous avez vu ce qui s'est passé? Tout à fait. Donc, vous voyez dans le coin où je répète, je veux beaucoup de soutien. Parce que là, il faut soutien des gens pour que je puisse avancer actuellement. Donc, si vous avez apprécié, c'est que ça va aller. Je vous dis merci. Je dis merci à le directeur. Je dis merci à tous ceux qui travaillent Ivoire TV. TV. Merci. Merci à vous aussi. Merci. Chers amis, on était très ravis d'être en votre compagnie. Si vous avez aimé la compagnie Kinimo, voilà, l'appel a été lancé. On espère que vous y répondrez. Pour ma part, j'ai été très ravie. J'ai pris plaisir à vous présenter l'entretien de ivoiretv.net. Ne cliquez pas, restez connectés sur ivoiretv.net, l'écho de l'info sur le net.